Je voudrais envoyer ces valeurs vers toutes les prisons israéliennes où se trouvent les prisonniers et sans exception tous les prisonniers politiques de tous bords, que pour Marwan Barghouti, pour Ahmed Sardat, pour les organisations du Front Populaire, Front Démocratique, le Jihad Islamique, le Hamas et tous. المقاومة في العربية كلمة هؤلاء الأبطال جعلوها فعل. Le mot résistance, ils l'ont en langue arabe, ils l'ont traduit en acte. وبالتالي هذا اليوم أنا كنت هناك وأعرف ماذا يعني أن تكون أسيرا في سجون العدو الصهيوني بهذا الجوع إنهم يكتبون كرامة لكل الأحرار في الأرض. Donc, concernant la grève de la faim, je sais ce que c'est, je suis passé par là, et ça veut dire que ça, c'est aussi un message qu'on envoie à tous les citoyens libres du monde. Donc, je soutiens la résistance palestinienne et... Allô? Ainsi que toutes les... donc, la résistance palestinienne et toutes les opérations pour l'échange des prisonniers, donc prisonniers contre prisonniers. لا يستطيع أن يتحدث عن المقاوم إلا المقاوم. هؤلاء الأسرى هم هناك بالسجن بسبب مقاومتهم للاحتلال. فلتستمر المقاومة. نحن نقول نحن نقاوم إذا نحن موجودون وشكرا جزيلا. Ils sont en prison parce que ils ont résisté et les résistants savent ce que veut dire le mot résistance dans les prisons. Et donc il faut les soutenir jusqu'à leur libération. Merci. Juste ajouter un petit mot pour ceux qui ne connaîtraient pas Souleymane Baraka. C'est Souleymane Baraka, en 2009, Israël a tué son fils de 11 ans, Ibrahim, à un missile exprès, je veux dire, sur sa maison, parce que les Israéliens...